merveilleuse pièce où on jouait un couple sur... on avait au début 20 ans et on avait 60 à la fin. Et il y avait 5 tableaux avec les époques différentes aux États-Unis. Ouais. Et puis surtout le vieillissement des sentiments. C'est un couple illégitime, ils se rencontrent dans un hôtel. Elle est toute jeune mariée, ils viennent se marier, ils ont un coup de foudre. Ils sont mariés, ils ne peuvent pas quitter leur partenaire. Ils vont se retrouver. Combien de tableaux, 5? Oui. En fait, dans l'histoire, ils se retrouvaient tous les ans, mais en fait, là, on les a développés à 5. Et quand elle arrive, elle est prête à l'épouser, lui, il vient de se marier. Quand lui vient lui demander sa main, elle est enceinte jusqu'aux yeux, elle va accoucher en scène. Après, elle revient. Tu as encore fait la grossesse enceinte avec lui. Oui. Quand elle revient, à une fois, lui est devenu très dur, très fermé. Il y a eu la guerre du Vietnam, il a perdu son gamin à la guerre. Il y avait toute une sorte comme ça d'échange. C'était magnifique. Et à la fin, quand ils sont tous les deux vieillissants, lui est veuf, il vient de perdre sa femme. Et elle dit, je ne peux pas quitter mon mari. Ouais. C'est voilà, magnifique. C'était pas Neil Simon. Je crois que c'est Neil Simon, il me semble. Très belle pièce.